Les livres d'histoire ont toujours eu du mal à parler des femmes qui ne respectent pas le cadre des sexes et nulle part, cette limite n'est aussi marquée qu'en matière de guerre et de maniement des armes. De l'Antiquité au temps moderne, l'histoire abonde cependant en récits mettant en scène des guerrières, les Amazones. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, ça, le cadre des sexes? Et qui étaient ces Amazones? Moi, il fallait que j'en sache davantage. Les Amazones. Les Amazones. La race légendaire de femmes soldats. Des femmes qui vivaient sans hommes, sauf pendant quelques jours chaque année. Qui vivaient dans leur propre pays, quand les femmes étaient des femmes. Quand les femmes étaient des femmes, elles étaient aussi les égales des hommes. Dans l'Iliade, où l'on trouve la première occurrence des Amazones, Homère fait référence à deux reprises à des guerrières qui se battent comme des hommes. C'est d'ailleurs de là, d'après l'historienne Adrienne Mayor, que viendrait leur nom, Antianarae, l'égale des hommes. Par les anciens, elles sont décrites comme les équivalentes des hommes. Donc c'est vraiment des femmes qui se comportent comme des hommes. D'où la fascination qu'elles créent chez les hommes et mêlée de crainte, puisque c'est une sorte d'être hybride, bizarre, qui mêle et érotisme de par sa beauté et sa nudité, et crainte, puisque elles sont souvent décrites comme des guerrières sans pitié. Encore un problème de traduction. Selon les époques, les dialectes aussi, un mot peut avoir deux significations bien différentes. Prenons l'exemple du terme « barbare » utilisé par certains auteurs grecs pour qualifier les Amazones. À l'époque, un « barbare » n'était ni plus ni moins qu'un individu non grec. Puis, petit à petit, on en a fait autre chose. Plus spectaculaire, plus impressionnant, plus mystérieuse aussi. Mais surtout plus sexe. Elles sont référencées comme étant les premières femmes armées. Et puis en plus, ça remonte à la Grèce antique, donc c'est la transmission de l'histoire orale. Et on sait très bien que quand l'histoire se transmet oralement, il y a aussi une reconstruction du récit qui fait que ça génère un espèce de fantasme et un imaginaire, vu qu'on n'a pas de représentation de ces enfin visuelle en tout cas, de ces premières femmes combattantes, on imagine toutes sortes de choses. Et en plus, la plupart des lettrés, c'était des hommes, donc des combattantes féminines racontées par des hommes, il y a des siècles et des siècles. Ça amène un mythe et un fantasme tel que vous l'avez décrit, surtout pas souvent un fantasme très positif, parce que longtemps on a considéré que la place des femmes n'était pas au front, n'était pas les armes à la main, parce que comme elles donnent la vie, elles ne peuvent pas la reprendre. Donc voilà, il y a eu beaucoup de fantasmes sur les Amazones qui se coupaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc du bon côté, qui étaient vues comme des barbares sanguinaires assoiffées de sang, parce que comme elles n'étaient pas à leur place, ben, elles étaient forcément subversives, elles avaient forcément un problème avec leur identité de femme si elles étaient là, à cet endroit-là. Cet endroit, c'était là, en Cappadoce, au nord de la Turquie actuelle, et plus exactement à Themyscira, sur les rives du fleuve Thermodon. L'existence d'Amazones a vraiment été attestée et par des archéologues et par des historiens latins et grecs, puisque donc dans un document récent sur Arte, des archéologues montrent des ossements de femmes qui ont été
trouvés à côté de, leur, de leurs armes. Donc il y a vraiment eu des peuples de guerrières, notamment lors de, dans une description du triomphe de Pompée à Rome, il y a des prisonnières donc armées ont été faites par, par Pompée. Et souvent, contrairement à, donc, aux Amazones de la mythologie, les Amazones de l'histoire sont souvent des Amazones qui sont décrites comme des femmes devenues Amazones par, par obligation, puisque il y avait souvent des tribus qui se faisaient donc, la guerre. Et lors de l'absence des hommes dans certaines tribus, les femmes étaient obligées, pendant leur absence, de faire ce que les hommes faisaient habituellement, c'est-à-dire chasser, protéger leur village contre l'assaut des tribus ennemies. Donc elles prenaient les armes et elles étaient obligées de défendre leur village, leurs enfants, durant l'absence parfois très longue des hommes. En 1914, lors de la Première Guerre mondiale, le président du Conseil d'alors, René Viviani, lança un appel aux femmes. Cette communication n'est pas la déclaration coutumière dans laquelle un gouvernement qui se présente pour la première fois devant le Parlement précise sa politique. Il n'y a pour l'heure qu'une politique, le combat sans merci jusqu'à la libération définitive de l'Europe, gagé par une paix pleinement victorieuse. Une femme, c'est qui leur présentiment, passer un secret bon moment. Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux faire pleinement. Une femme, très bon. On a souvent vu ou entendu que la Première Guerre mondiale était une guerre émancipatrice pour les femmes, alors pas uniquement en termes de combat et de guerre, mais parce qu'elles avaient remplacé les hommes qui étaient partis au front, elles les avaient remplacés dans les fermes, dans les usines, dans les transports, donc elles étaient partout pour faire tourner le pays sur le plan économique à l'arrière. Elles remplacent, oui, les femmes sont les éternelles remplaçantes, c'est le plan B, quoi. C'est toujours le plan B. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, elles sont plus que remplaçantes et qu'elles sont plus qu'utiles et que... Et qu'il va falloir faire avec parce qu'elles sont là, quoi. Oui, les femmes étaient déjà là. Mais le saviez-vous ? On s'est dit que le mieux, c'était de venir vous le demander. Mais vous n'aviez pas l'air trop décidé à nous répondre. Alors on a essayé. Encore essayer. Quand... Enfin... Ah, oui. Oh là là. Il n'y en a pas qui me viennent comme ça particulièrement. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont combattu pendant les guerres. Bien sûr. Comme la Résistance. Hein, c'est... Par exemple, oui. Les femmes qui ont été célèbres. Bon, j'ai pas les noms en tête. Hein. Siobhan. Par exemple, quoi. Bah, puis toutes les femmes qui ont fait la résistance. Oui, j'ai découvert ça, mais assez récemment, en fait, parce qu'on n'en parle pas... Enfin, on n'en parle pas énormément, même en histoire, même dans les livres d'histoire. Et bon, évidemment, on nous parle des femmes qui ont relayé les hommes qui étaient partis à la guerre, mais on ne parle pas de celles qui ont effectivement fait la guerre. Parce que nous, les femmes, on est là, tout de même. Dans l'imaginaire collectif, le combattant, ou la combattante, a forcément une arme dans la main. C'est-à-dire, on combat les armes à la main. Sauf que non. Alors dans la résistance intérieure, on a eu des femmes armées parce que l'organisation clandestine et l'urgence de la résistance intérieure faisaient que c'était plus facile, mais alors vraiment avec des guillemets, hein, 50 000 guillemets, parce que même au sein des maquis, on avait quand même beaucoup de mal à donner les armes à une femme. Hein. Elles étaient plutôt dans des rôles pour subvenir aux besoins des maquisards, pour transmettre des informations via des réseaux, dans des valises, etc. Elles étaient plus voilà, dans des rôles de transmission ou de soins, parce qu'on retrouve quand même régulièrement les femmes dans les rôles de soins. Et c'est vrai que le travail mémoriel qui s'est fait après la Seconde Guerre mondiale plaçait les résistants au-dessus du lot. Mais j'emploie à dessein le mot résistant au masculin. Et dans cette nébuleuse de résistants, on avait des résistants extérieurs, des résistants intérieurs, et seulement en deuxième effet, on avait... Mais il y avait aussi des femmes. N'oubliez pas qu'il y avait aussi des femmes. Mais qui ne sont pas combattantes
au sens de l'imaginaire collectif où on l'entend, puisque le combat, c'est forcément avec des armes. Sauf qu'en fait, d'un point de vue, là, je vais rentrer dans des termes un peu techniques, mais d'un point de vue législatif militaire, la carte de l'ancien combattant, qui finalement distingue les combattants, la carte de l'ancien combattant, elle est attribuée même à ceux qui n'avaient pas d'armes à la main et qui sont des combattants. Donc dans le jargon militaire, elles sont des combattantes, mais dans l'imaginaire collectif, elles ne sont pas des combattantes, elles sont des résistantes. La place qu'occupent ces femmes dans les esprits est proportionnelle à celle qu'on leur accorde dans la culture populaire, quasi nulle. C'est ce que nomme George Gerbner l'annihilation symbolique. For the first time in human history, most of the stories, most of the time, to most of the children are told no longer by the parent, no longer by the school, no longer by the church, no longer by the community. No longer handcrafted, no longer community-based, no longer historically inspired, inherited, going from generation to generation, but essentially by a small group of global conglomerates that really have nothing to tell them but have a lot to say. La télévision, en endossant le rôle de passeur de savoir, a une grande influence dans le façonnage des consciences. Or, déjà que les femmes sont peu présentes dans le poste, elles disparaissent complètement à heure de grande écoute. Selon le rapport du CSA de 2017, le pourcentage des programmes contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes ne dépasse pas la barre des 2%, tout genre compris. On ne creuse pas le sujet, on ne vous apporte pas ce savoir-là. Bah, tout simplement parce que l'histoire militaire et l'histoire combattante est le fait des hommes. Et que pour 100 livres qui sortent écrits par des hommes, il y en a 2 qui sortent écrits par des femmes. Donc en fait, comme on construit les livres d'histoire par rapport aux archives et par rapport aux travaux existants, bah, la proportion se retrouve la même. Et du coup, sur Internet, c'est encore pire pour le référencement. Donc, tout simplement, c'est parce que l'histoire militaire, depuis que l'histoire de la guerre, l'art de la guerre et l'histoire militaire existent, elle est le fait des hommes. Et c'est eux qui racontent leur guerre, leur fait d'armes, leurs frères d'armes. Ils oublient leurs sœurs. Toutefois, une chose peut amener les projecteurs à être braqués sur eux. Leur côté sulfureux. Vous écoutez RTL. Par exemple, chaque année, le nom de Mata Hari ressort dans les médias. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'heure du crime consacrée à une des femmes les plus célèbres du XXe siècle, un véritable mythe, une femme dont le nom est passé dans le langage courant pour désigner une femme intrigante, mystérieuse, prête à tout pour séduire les hommes riches et puissants par n'importe quel moyen, Margaret Gertrude Zelle, qui était vraiment Mata Hari. Est-ce qu'elle était une espionne de haut vol à la solde de l'Allemagne, ou alors était-elle une danseuse? Tous les témoignages sont quelquefois contradictoires. Des gens disaient qu'elle était sotte, d'autres disaient qu'elle était intelligente, d'autres disaient qu'elle était brillante. En tout cas, elle devait avoir quelque chose. Mata Hari est le symbole de la décadence, la Dalila des temps modernes. On prétend même que ce serait par peur que son côté frivole contamine les femmes françaises qu'elle aurait été exécutée. Malgré sa disparition qui remonte à un peu plus d'un siècle, son esprit continue de planer au-dessus des espionnes contemporaines, conduisant à les assimiler de manière quasi systématique à des croqueuses d'hommes. À cette technique d'appât, dont elles useraient pour faire parler l'ennemi, on a même donné un nom, le piège à miel. La méthode du piège à miel, dans sa tradition classique, consiste à mettre sur le chemin de la personne à discréditer un homme ou une femme d'allure, disons, favorable. Des femmes qui choisissent de suivre, d'accompagner, de soigner ou d'être tout simplement parmi les hommes, c'est forcément des nymphomanes. Je la fais très courte, mais je la fais très courte, en même temps pas très courte, puisque j'ai étudié une thèse de psychopathologie qui est sortie en 1947, psychopathologie féminine dans l'armée de terre. Et la nymphomanie,
est une psychopathologie de l'époque, extrêmement fréquente chez les femmes qui s'engagent dans l'armée. Parce que pourquoi une femme irait dans un milieu masculin, sinon un appétit pour les hommes. Le mot soldate au féminin est pas du tout employé, parce que dans l'imaginaire militaire, les soldates sont les femmes qui suivent les hommes, ne sont pas des militaires elles-mêmes, des soldats elles-mêmes. Donc tout cet imaginaire à la fois et linguistique et de rôle social, socio-sexué dans la société, bah, quand on abrique les deux, on arrive à ce genre de conclusion, de raillerie, de méfiance, de suspicion. C'est pas normal qu'une femme veuille faire un métier d'homme, c'est pas normal qu'une femme ne trouve que son bonheur personnel ou professionnel dans un milieu où il n'y a que des hommes. Donc ça soulève toujours la suspicion. Au cours du 19e siècle, toute une série de maladies purement féminines ont vu le jour. Par exemple, la bicycle face, qui a fait surface en 1880 grâce aux travaux du docteur Shadwell. Dans son livre « Les dangers cachés du cyclisme », le scientifique soulève 41 règles à respecter pour éviter que les femmes demeurent défigurées à vie des suites d'un effort trop intense. Ne pas mâcher de chewing-gum, exercer ses mâchoires en privé, ne pas laisser ses cheveux dorés pendre dans son dos, ne pas apparaître en public avant de savoir correctement rouler, ne pas crier si vous voyez une vache. Si elle vous voit en premier, elle s'enfuira. Le vélo étant le premier moyen de transport que les femmes pouvaient utiliser sans être accompagnées par un homme, il était important pour les opposants à l'émancipation féminine de les en dissuader. Autre méthode appliquée pour empêcher les femmes de sortir de leur rôle, la lobotomie. La leucotomie, plus connue sous le nom de lobotomie, a pendant longtemps été considérée comme la solution à tous les maux. Folie, violence, troubles psychotiques et même parfois cancer de l'utérus, la lobotomie avait pour réputation de résoudre tous les problèmes. Comment ? Eh bien, en coupant une partie du lobe frontal du patient à l'aide d'instruments que l'on introduit dans son crâne. Selon une étude parue dans la revue Nature, 84% des patients étaient des femmes. Dernière à figurer sur le podium et grande gagnante dans la catégorie maladie féminine, l'hystérie. Étymologiquement, le mot hystérie vient du grec oustera, qui veut dire... plutôt celle-ci, l'utérus. Platon en disait ceci. Au Moyen Âge, les crises hystériques étaient interprétées comme une intervention du malin. Les hystériques étaient de fait considérées comme des sorcières. C'est le pape Innocent VIII qui, en 1484, dans une bulle pontificale, alerta sur les dangers que représentaient ces êtres possédés par le diable. S'en suivit alors un ouvrage, le Malleus Maleficarum, soutenu par l'Église catholique, qui initia le concept de chasse aux sorcières, ce qui, comme on le sait, eut beaucoup de succès. Le marteau des sorcières a d'ailleurs été réédité plus de 34 fois entre 1487 et 1669. Les sorcières subissaient tout type de châtiments, les plus prisés étant les ordalies ou jugement de Dieu. Deux types d'ordalies étaient particulièrement populaires à l'époque. L'ordalie par l'eau, qui impliquait d'attacher les membres de l'accusé avec une corde et de la jeter à l'eau. Si elle coulait, elle était innocente. Dommage. Si elle flottait, elle était coupable. L'autre était l'ordalie par le feu, ou l'épreuve du bûcher. La dernière femme condamnée pour des faits de sorcellerie et ayant été brûlée vive fut Anna Goldin, une servante suisse accusée d'avoir empoisonné un des enfants dont elle avait la garde. Durant la Révolution, l'hystérie a servi de prétexte à de multiples reprises pour empêcher les femmes d'accéder aux mêmes droits que les hommes.
Donc finalement, c'est assez paradoxal de voir que celles qui sont les victimes désignées, presque un peu expiatoires de cette violence révolutionnaire, vont être en partie rendues responsables de cette même violence. Anne-Joseph Théroigne, plus connue sous le nom de Théroigne de Méricourt, en a fait les frais. Si son nom ne vous évoque rien, vous avez peut-être pu apercevoir son personnage dans un jeu vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. It is your turn to bleed. Théroigne de Méricourt, a revolutionary alpha revenge. We declare the rights of man, but what of women? Ah! Robespierre names you an enemy of the Republic, harlot. You have no rights. Jacobins had it in for Méricourt. Whipped her to within an inch of her life. The terror ends tonight. Théroigne de Méricourt, elle a un destin assez exemplaire. C'est d'abord une petite bergère qui naît en Belgique. Elle vient à Paris très jeune. On dit qu'elle participe à cette fameuse marche sur Versailles. Il y a beaucoup de représentations qui le montrent. En réalité, on n'en est pas tout à fait sûr, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on laisse entendre qu'elle ne pouvait pas ne pas en être. Et assez rapidement, elle prend une part active au comité révolutionnaire. Elle se promène sabre au côté. Il y a beaucoup de représentations d'elle qui la montrent avec un pistolet et un sabre à la ceinture. Et en 1792, elle publie un texte où elle demande aux femmes de se soulever en masse pour aller défendre en armes la révolution. Donc elle soutient l'idée d'une fraternité de combat entre les hommes et les femmes, et elle appelle à la levée en masse de bataillons féminins. Elle évoque des Amazones françaises modernes qui sont censées reprendre le flambeau des célèbres Amazones de l'histoire ancienne, en particulier des Germaines et des Celtes, femmes combattantes germaines et celtes. Donc il y a une sorte d'appel à la conscription nationale des femmes, à une participation par le sang à la Révolution française. Et son argument est assez intéressant, puisqu'elle considère, comme d'ailleurs de façon moins radicale Olympe de Gouges, autre grande figure de cette époque-là, que si les femmes veulent avoir les mêmes droits que les hommes, alors elles doivent également avoir les mêmes devoirs, et autrement dit payer le tribut de sang au même titre que leurs homologues masculins. Et donc cette figure de la femme combattante, elle est tout à fait intéressante. Elle est assez marginale en fait dans les faits sous la Révolution française. On estime à quelques dizaines de femmes, les femmes réellement engagées dans l'armée, souvent déguisées en hommes d'ailleurs. Sociologiquement, le phénomène n'est pas très important, mais sur le plan symbolique, il l'est. Il crée tout un débat, il y a une grande discussion sur la pertinence finalement de cette position. Et puis, Théroigne de Méricourt est assez rapidement mise de côté. Dès 1793, elle reçoit la fessée républicaine, c'est-à-dire qu'elle est sur la place publique, humiliée par d'autres femmes, qu'on appelle les tricoteuses, dont il y aura lieu de parler également. Accusée de folie, elle va être enfermée et subir jusqu'en 1817 un certain nombre d'expérimentations de la première psychiatrie à l'hôpital de la Salpêtrière. Donc on voit bien que c'est quasiment la seule des femmes révolutionnaires à échapper à la guillotine, mais finalement pour une autre forme de relégation, puisqu'elle est enfermée à vie, et que la plupart de ces combats sont invalidés par le fait qu'on l'a fait passer pour folle. Théroigne témoigna de sa douleur dans une lettre adressée à Saint-Just qu'elle écrira depuis le quartier des Agités où elle était enfermée. Saint-Just, quant à lui, ne reçut jamais cette lettre, étant plutôt occupé à se faire décapiter ce jour-là, et Théroigne resta internée durant 7 ans à l'hospice. Elle sera ensuite placée dans le service du docteur Esquirol, célèbre psychiatre de l'époque, à l'hôpital de la Salpêtrière, où 500 loges venaient d'être construites pour y accueillir les aliénés. Mais ce n'était pas le grand luxe, hein ? Ça, non. Les loges, décrites par l'abbé Robin Chapelain du Roi, mesuraient 6 pieds carrés de hauteur comme de largeur. Celles et ceux qui payaient une pension bénéficiaient d'une loge pour deux. Quant aux autres, ils étaient 4 à la partager. Il ajoute « On s'imagine difficilement combien un espace si étroit doit être gênant pour des malheureux que leur dérangement rend si inquiet et turbulent. L'agitation d'un seul y trouble le repos des autres, ce repos si nécessaire à tous les êtres, l'est surtout pour ceux dont le sang est si souvent en incandescence. »
Après quelques mois d'analyse intensive, le docteur Esquirol diagnostiqua Théroigne de Méricourt l'hypémaniaque, psychopathologie dont les symptômes consistent en une perte d'appétence pour la vie. Cependant, c'est une péripneumonie chronique qui aura eu raison de la militante, qui décéda à l'âge de 45 ans, après 24 années de souffrances physiques et morales, que Marcelin Pelet, dans son étude biographique sur Théroigne de Méricourt, parue en 1886, qualifia de « pire que la mort ». C'est tout à fait délibéré de la part des concepteurs du jeu. Il y a évidemment, c'est un jeu vidéo qui réunit plus de 10 millions de gamers dans le monde, extrêmement populaire. C'est en fait l'entrée dans la Révolution française, la seule pour bien des jeunes et des moins jeunes dans le monde. Donc ça a un pouvoir finalement de configuration des imaginaires qui est extrêmement fort. Et le jeu vidéo fonctionne exclusivement à l'aide de raccourcis visuels, de stéréotypes efficaces qui sont destinés finalement à... permettre à la fois des formes d'identification extrêmement basiques et des ambiances immersives. Donc l'utilisation de Théroigne de Méricourt est une façon de pouvoir permettre une possible identification masculine à cette figure, de laisser entendre qu'effectivement les hommes n'étaient pas les seuls acteurs de cette scène de l'histoire, mais évidemment en contribuant à remotiver d'une façon, à mon sens, délibérée, un certain nombre de stéréotypes sexistes. Et quand certains essaient de ne pas céder à la facilité, ils le paient au sein de leur communauté. L'univers du jeu de vidéo est un univers qui, à quelques exceptions près, est d'abord à destination d'un public majoritairement masculin, les statistiques sont très très claires là-dessus, et d'une culture mainstream dans laquelle tout le monde est censé pouvoir se reconnaître. Donc on n'est pas du tout dans une sorte de réhabilitation ou dans une forme de réflexion critique sur l'histoire, mais plutôt dans une recherche de l'efficacité visuelle. Mais le jeu vidéo est loin d'être le seul médium artistique vecteur de stéréotypes sexistes. La phallocratie sévit aussi dans le secteur de la bande dessinée. Dans un article du New York Times d'avril 1991, la poétesse et écrivaine féministe Kata Polit dénonce le principe de la schtroumpfette qui caractérise de nombreuses œuvres de fiction. Prenons les BD les plus vendus dans le monde. Superman, Batman, Tintin, Naruto, Captain America, aucune n'a pour personnage principal une femme. Et lorsqu'elles ne sont pas absentes des albums, elles y sont souvent malmenées. Dans la série Marvel, la Veuve Noire, incarnée par Scarlett Johansson à l'écran, est sous-représentée en comparaison à ses homologues masculins, comme on peut le voir dans le choix marketing des produits dérivés. Même sanction pour Gamora, héroïne des Gardiens de la Galaxie. C'est d'ailleurs suite à ce triste constat que les fans du studio ont créé le hashtag Where's Gamora et Where's Black Widow pour se plaindre de l'absence du personnage parmi les goodies. Voici la réponse d'une grande enseigne à une de ses clientes qui demandait une explication. Le t-shirt Les Gardiens de la Galaxie est un t-shirt de garçon. C'est pour cela qu'il n'inclut pas le personnage féminin Gamora. Je vous laisse lire la réponse de cet internaute, plutôt échaudée. C'est quoi le pourcentage de femmes dans la population déjà? 50%. Le problème, c'est qu'on habitue les enfants dès un très jeune âge à trouver normal que les femmes n'occupent pas 50% de l'espace. On les habitue à considérer que ce qui arrive aux filles, c'est moins important que ce qui arrive aux garçons. Que les filles, ça compte moins que les gars. Les enfants, une fois adultes, sont complètement accoutumés de voir des femmes occuper des rôles de soutien plutôt que des rôles principaux dans la fiction et dans la réalité. Une héroïne a toutefois eu droit à tous les honneurs l'année dernière.
Elle appartient à l'univers DC Comics. Dernièrement, vous avez vu les affiches d'un film qui est sorti qui s'appelle Wonder Woman. Oh non, c'est pas mon truc, ça. C'est débile, enfin, je regarde pas, moi, je... Wonder Woman, c'est les Marvel, ça, non ? Alors, moi, personnellement, j'ai une image assez positive. Enfin, quand j'ai grandi, enfin, j'avais effectivement Xena la guerrière. J'ai grandi avec cette image-là quand j'étais petite. Et c'est un personnage auquel je m'identifiais, Wonder Woman aussi. Donc, c'est vrai que... Après, en grandissant, j'ai vu le côté un peu sexy du personnage que je voyais pas du tout, évidemment, enfant. Et voilà, enfin, le détournement possible, mais... Mais c'est vrai que oui, c'est des images positives, enfin, pour moi. C'est typique, on va dire, l'image de la femme moderne d'aujourd'hui. Kill Bill, par exemple, si on parle de Kill Bill, je suis d'accord. Là, pour le coup, c'est une combattante. Bah non, dans le cinéma, ouais, mais enfin, pour le cinéma, ça reste fiction, quoi. Superwoman, faut arrêter, quoi. Je pense pas qu'on n'est pas super, mais on est tous des hommes, des femmes. Maintenant, super, non. Je me vois pas, moi... avec un truc super serré à la taille, en short, avec les bottes jusqu'à là. Faut arrêter, quoi. C'est plus un fantasme masculin. Ouais, mais là, je suis pas fan. Franchement, là, je vous le dis, pas mon kiff, ça. Elle est encore très présente, puisque chaque année, presque, il y a un nouveau Wonder Woman, qui est une Amazon, et notamment en 2017, il y a eu un film. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette représentation de l'Éthiopie, du coup ? Oui, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais la représentation, elle est très, là, beaucoup sexualisée. Alors, on a la bombe, voilà, habillée comme toutes les Wonder Woman qu'on connaît depuis que ça existe à l'américaine. Et clairement, même si la réalisatrice est une femme sur le dernier, on a l'impression que c'est quand même fait pour les hommes, enfin, que ça alimente un fantasme plutôt masculin. Et ça a toujours été, même chez les anciens, donc les Grecs et les Latins, les Amazones fascinaient, il y avait toujours un mélange d'Eros et de Thanatos, de mort et d'érotisme, mais le problème, c'est que dans ces récits-là, elles perdaient toujours. Elles finissaient toujours soit par être capturées, soit par être tuées. Puisque Antiope, elle est enlevée, Penthésilée, elle est tuée, enfin, finalement, elle n'était jamais victorieuse. Il est vrai que, objectivement, elles n'ont pas eu beaucoup de chance. Boadicée, Antiope, Angbé, quand elles ne se sont pas faites tuer, elles se sont trouvées tout simplement rayées de l'histoire. En revanche, un village, peuplé d'irréductibles Amazones, résiste encore à la dénégation historique. Pour espérer les rencontrer, il fallait traverser un fleuve, un long fleuve, un des plus grands du monde. Le célèbre explorateur espagnol Francisco de Orellana sera un des premiers à faire leur rencontre. Rencontre pas les Amazones, les Amazones par hasard, puisque toute la découverte du Nouveau Monde est nourrie par des fantasmes liés à la mythologie grecque en particulier, et on cherche en fait, c'est la Renaissance, on redécouvre un petit peu des anciens récits, enfin voilà, c'est le moment où on redécouvre un peu tout ça, et donc c'est un mélange entre une sorte d'esprit médiéviste et puis un esprit plus des Lumières, quoi. Enfin, on est dans cette transition-là. Et donc, l'homme est encore capable de croire qu'en découvrant un nouveau monde, on va pouvoir trouver des sortes de créatures bizarres, comme par exemple des Amazones. Et donc, il y a toute une série de gens avant Francisco de Orellana qui sont partis à la recherche des Amazones, en fait. Christophe Colomb, le premier. Et ensuite Hernán Cortés, et puis tout un tas de... Tout le monde cherchait un petit peu les Amazones, mais c'est Francisco de Orellana qui les trouve, enfin, qui raconte les trouver, et qui nomme la région ainsi. Bon, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. Et encore, on vous a fait l'impasse sur bon nombre de découvertes qu'on a faites.
comment se faisait-il que je n'avais jamais entendu parler de ces femmes combattantes avant ? Comment faire pour leur donner la place qu'elles occupent dans notre histoire commune ? C'est un sacré chantier. Pendant des siècles, on a construit l'histoire de France ou l'histoire d'autres pays aussi en prenant des héros isolés qui ont eu des actes de bravoure extraordinaires et qu'on les étudie soit sur un paragraphe, soit sur un chapitre en étude de cas dans les livres d'histoire. Et pourquoi pas faire pareil avec les femmes militaires ? Au même titre qu'on a étudié Jeanne d'Arc, pardon, parce que c'est un parallèle que je fais beaucoup aussi dans ma thèse, parce que Jeanne d'Arc était la première figure patriotique française, pas militaire, parce que c'est pas le terme de l'époque, mais guerrière, quoi. Et Jeanne d'Arc, elle est enseignée, ça pose aucun problème à personne d'enseigner Jeanne d'Arc. Et pourtant, c'est une femme exceptionnelle, c'est une minorité, c'est une héroïne. De la même manière qu'on enseigne des héros masculins antiques, ou moderne ou du 19e, bah, on peut très bien faire des études de cas sur une femme exceptionnelle ou deux femmes exceptionnelles sur telle guerre, tel événement. C'est aussi pour ça, je l'ai sous les yeux, donc là j'y pense, mais c'est aussi pour ça que l'association Mnemosyne avait sorti un livre il y a quelques années qui s'appelait la place des femmes dans l'histoire, pour une histoire mixte, pour faire de l'histoire, étudier l'histoire, en n'oubliant pas de replacer les femmes et le rôle qu'elles ont joué. Dans tous les événements de l'histoire, en fait, les femmes ont eu un rôle. Tous. Quand on étudie la paysannerie, par exemple, au Moyen-Âge, on parle des paysans. Mais on ne parle pas de la répartition et du rôle que jouaient les femmes. Et des exemples comme ça, il y en a pléthore. Quand on étudie l'éducation au XIXe siècle ou l'éducation au XVIIIe siècle, on peut faire un focus sur l'éducation sexuée en expliquant pourquoi les femmes n'étaient pas éduquées de la même manière que les hommes. C'est une façon de faire de l'histoire, tout en replaçant, c'est pas parce qu'elles n'ont pas fait des choses exceptionnelles, hein, mais qu'on doit les exclure de l'histoire. Et alors, qui plus est, quand elles ont fait des choses exceptionnelles, la moindre des choses, c'est de les replacer, dans une historiographie plus équitable, quoi. Donc on est dans une logique assez intéressante, puisqu'il y a une stratégie de compensation symbolique. C'est-à-dire que la scène de l'histoire qu'on refuse dans les faits aux femmes, on leur offre sur le plan des représentations. Ce qui a toujours été le cas, finalement. Le Moyen-Âge ne faisait déjà que ça. La femme est sublimée. Le christianisme ne fait que ça. La femme est sublimée dans la figure de la Vierge. Figure pure, mais totalement passive. Donc on retrouve finalement cette structure symbolique récurrente dans l'Occident chrétien, qui consiste en fait à donner aux femmes, dans le champ de la représentation, la place qu'elles n'ont pas dans le champ de l'action politique. Et la Révolution française, de ce point de vue-là, n'invente rien, voire pousse très loin, finalement, cette logique de compensation symbolique. Les femmes sont omniprésentes au fronton des mairies, dans la peinture de genre, dans la peinture d'histoire, mais totalement absentisées des événements eux-mêmes, y compris d'ailleurs dans les représentations qu'on en fait. Angela Davis. Vandana Shiva. Rosalind Franklin. Rebecca Lelosoli. La Gaetana. Bessie Coleman. Warda Sadoudi. Hélène Keller. Marie Skowodowska-Curie.